Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc nous allons faire encore une nouvelle carte, toujours avec les dés d'action, avec le confinement. J'espère que ça se passe bien pour vous. Nous avons beaucoup de temps, donc nous essayons de l'employer correctement. Donc on fait plus de création. Donc aujourd'hui nous allons faire une carte, toujours avec les dés d'action. Donc voilà, je vous montre, il n'y a pas d'image parce que c'était un die qui était venu avec la Beat Shop. Vous savez, là, quand j'ai acheté à Action la machine à découper, il y avait ce petit die qui correspond à un petit hibou. Donc voilà, je l'ai fait. J'ai fait le petit hibou. Voilà, j'ai mis des yeux qui bougent un peu, que vous trouvez aussi à Action. Voilà, moi j'en avais parce que j'en avais dans mon matériel. Mais vous pouvez le trouver un peu dans tous les commerces, à Carrefour, chez Emma, à Action. Voilà. Des petits yeux qui bougent. Donc, j'ai fait le petit hibou, on peut dire petit hibou, le hibou de chez Action. Donc, on va le mettre de côté. Et j'ai travaillé avec ce die. Je pense que vous avez dû le trouver chez Action. Ils avaient fait pas mal de dies très intéressantes. Enfin, ça dépend ce qu'on en fait. Donc voilà, c'est une lune avec des fleurs. Donc moi, j'ai découpé les deux. J'en ai fait deux. Voilà. Et je les ai un peu travaillées. Les feuilles, je les ai peintes avec la petite boîte de peinture de chez Action pour aquarelle. Et je voulais aussi vous dire que le papier à dessin, c'est du papier aquarelle. Parce qu'une fois que vous le peignez, ça fait très très joli. Hein. Ça a plus de maintien que du papier à dessin. Je vous conseille pour les découpes que vous voulez peindre, de prendre du papier de chez Action aquarelle. Donc je vais vous montrer. Je vais vous montrer ce que ça donne. Je me retourne de mon bureau. Voilà. Celui-là. Donc, je pense que vous avez dû le voir chez Action. J'ai fait deux découpes que j'ai peint et j'ai rajouté, je vais dire, des petites fleurs et du hou. Enfin, des petits hou. Voilà. Donc, les fleurs, je les ai peintes en vert et là, j'ai collé. Vous allez me dire comment j'ai pu faire ces petits roues. Je les ai fait avec ma machine pour les petits trous, ou si vous n'avez pas, vous avez une perforeuse à papier, vous pouvez aussi prendre les petits trous des perforeuses. Et j'ai collé quelques-uns, voilà, pour faire un peu, puisque c'est des cartes de Noël, pour un peu reproduire Noël. Ensuite, je les ai rentrées, vous voyez, elles ont la lune, là, vous rentrez les deux mains, et ça vous fait un petit cercle, voilà. Comme ça. Donc je l'ai déjà fait, ça va plus vite parce que le temps de coller, et je l'ai collé sur ma carte. Donc moi les fleurs je les ai pas peints, ici je les ai peints, mais pour vous dire que vous pouvez faire plein de choses. Hein. Et là je les ai pas peints, je les ai laissés naturels parce qu'avec le fond vert etc. je trouvais que ça serait un peu trop chargé. Ensuite j'ai découpé pour coller ce petit motif, j'ai pris un fond de carte de 14 sur 14 et j'ai toujours pris, comme d'habitude, vous savez, je travaille souvent, les feuilles d'action qui me restaient. Donc, on va la coller l'une sur l'autre. On va centrer la carte. Ça me fait un petit rebord à peu près de 5 à 4 mm. Voilà, ça vous donne ça. Ensuite, j'ai reproduit le petit hibou. Donc, il était tout simple. Je l'ai recouvert avec ce bloc action que vous avez dû voir. Donc, j'ai pris la feuille orangée, là, celle-ci. Il y a du jaune et un peu orangé. Je l'ai pris comme ça pour faire le hibou.
Donc, je l'ai fait avec. Je trouvais que ça ressemblait un peu. Et le petit ventre, je l'ai fait en blanc et j'ai mis des quadrillages pour donner un petit ton de Noël. Donc, ensuite, nous allons coller le hibou au milieu de la carte. Mais je ne vais pas le coller, je vais le mettre en hauteur. Ce qui signifie que nous allons prendre du double face de 2 mm. Voilà. Sur le dos. Vous voyez, je. Et je vais la coller où je ici. Voilà. Et ça va vous donner ça. Je vous montre les petits houx que vous avez, vous savez, quand vous les découpez avec la perforeuse. Et c'est cela que vous mettrez ici, voilà, sur les petits trucs. Je ne vous l'avais pas montré tout à l'heure. Là, j'en ai un, donc je vous le montre. Donc, ça vous donne ça. Ensuite, je voulais un petit peu donner un peu de ton de Noël. Donc, j'ai découpé une bande avec des petits motifs. Donc, cette bande, je l'ai coupée avec les ciseaux crantaires que je n'ai pas sortis. Donc, ils doivent être là, des ciseaux crantaires. Et j'ai fait une petite bande de 5 mm à peu près que je vais coller. Voilà, elle va pas jusqu'au bout, mais vous inquiétez pas, on va mettre quelque chose ici. Donc voilà ce que ça donne. Une petite bande, voilà. Je vais rajouter sur la petite bande un petit nœud que vous trouverez dans les dailles de pots de confiture. Donc j'ai pris le petit nœud qui est à l'intérieur et je l'ai coupé avec du papier rouge. Je le mets à peu près, vous le mettez à peu près où vous voulez. Moi, je l'ai mis comme ça. Ici, je vais mettre un petit sentiment, un petit mot que vous trouverez sur cette plaque de action où il y avait des petits motifs de Noël. Donc, il y a le tampon plus là le papier, le die à découper. Voilà, celui-là. Donc, j'ai fait la découpe plus le tampon et là, j'ai peint avec l'aquarelle, j'ai peint en rouge le petit hou pour que ça fasse un rapport avec la carte. Et je le mets comme ça. Voilà ce que ça vous donne. Maintenant, nous allons un peu la décorer. Donc, moi, j'ai fait. J'ai toujours des problèmes avec la colle, donc je vais en mettre un peu plus. Voilà. Voilà. Ensuite, j'ai découpé sur du papier une étoile que je vais mettre sur le haut du motif de la carte. Voilà. Je l'ai mis ici sur le haut. Voilà, je ne sais pas si on la voit parce que c'est du vert. Que je vais agrémenter avec une petite étoile que j'ai découpée avec la perforeuse de chez Action. Voilà. Si vous la voyez bien. Ensuite, je vais lui donner une petite touche de Noël ou oui, une petite touche de fête, on va dire. Je vais lui coller
des petites étoiles. Donc je vais en mettre une là. Je vais en mettre une ici. Une là. Voilà, vous agrémentez un peu de ce que vous voulez. Hein. Moi, j'ai mis des petites étoiles. Je trouvais que c'était en rapport. Ça faisait pas mal avec la carte. Donc, je vais en mettre un peu partout. Petit peu des petites à l'intérieur. Elles sont toutes petites, donc j'ai du mal. Bon, ben, elle ne veut pas. Voilà. Je vous montre ce que ça donne. Sur les petites écharpes, je vais mettre un petit bouton. Un petit bouton sur l'écharpe. Donc, je vais la coller avec du double face ça, de 2 mm. Ça va lui faire une petite hauteur. Il sera pas mal. Il est où mon petit double face? Je l'ai mis ici, voilà. Un petit bouton, ça sera toujours joli. Voilà. Maintenant, pour lui donner encore un effet un peu plus de fête, vous me connaissez, des petites paillettes. Des petites paillettes sur les fleurs. Donc avec le die d'action et le petit hibou, ça vous fait une jolie petite carte de fête. Donc là il y a un petit sentiment que j'ai pas écrit, donc vous pouvez marquer bonne fête, joyeux Noël, enfin c'est vous qui voyez. Donc j'espère que ma carte vous aura plu et que vous en ferez beaucoup. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt.